Re YouTube, nous reprenons nos aventures sur Cyberpunk 2077. Et donc, nous allons voir Wakako pour obtenir une récompense. Toi, tu as failli te faire écraser. C'est parti. On y va. Alors, je me tâte de savoir ce qu'on fait aujourd'hui là. Enfin, aujourd'hui, n'importe quoi. Dans cet épisode. Parce qu'en même temps, on a plein de petites choses à faire. La justice m'appelle. Mais attends, mais c'est au-dessus? Ok, c'est là. Ouais, non, mais la justice. Parce qu'attends, on a... Ah, et ben, on a deux petits points à appliquer aussi. Ce serait bien de les appliquer, les points, parce que... je fais le ouf, là, à attendre, mais je vais me faire défoncer à force, hein. Parce que réflexe. Merde. Merde. Arme de poing. Réduit le temps pour dégainer, ça me plaît. Bon, dégâts des... Enfin ouais, les percs de lames. Vitesse d'attaque des lames de 10%, ouais. C'est vrai que putain qu'on a les contres. Mais il y avait pas un truc de genre du poison? Ah non, c'était dans sang froid. Ah ou alors c'était des chances. Les enchaînements avec les lames ont 15% de chance de causer une hémorragie, vas-y. On prend ça. C'est la loose. Bah c'est la loose. Attendez, peut-être pas. Si, carrément. Non, parce qu'il me faudrait double 55. Et après E9. 55-55. E9. Eh oui, il y a un C, c'est bon. Hein? Bon, d'accord. Bon, comment je vais faire? Vous êtes beaucoup, les gars, hein? Sinon je fais tout péter. C'est pas du tout grillé. Une ombre. Ah mais il se met là. Tu peux autre chose pour le distraire? Bon les gars, comment vous dire?
tout pourri. Jim, c'est pour ça qu'on s'entraîne. T'es ultra stop, toi. Attendez, je recharge. Bon. Faut que je pense à upgrade aussi. Bon et donc, vous allez faire quoi? Ça. Oh, et l'autre qui me propose encore une voiture. My my. Non mais là ça suffit. L'argent faut qu'on commence à le garder parce qu'on a... On va devoir acheter plein de trucs. C'est sûr. Hop là, je contrôle la situation. Désolé pour ceux qui ont le mal de mer. Enfin, le mal des transports. Voilà. Tout est sous contrôle. Hein. J'ai envie de voir pour upgrade là les... Moi le pistolet que j'ai là. Le pistolet que j'ai il est trop bien. Deux secondes. Fabrication, amélioration. Comment ça... Quoi? Ah oui d'accord. Faut que je regarde combien ça me coûte en composant. Hein. Parce que là je fais le ouf. Ok, bon j'ai plus. Merci à tous. Un CBD 55. Je me suis fait péter tout seul. Vas-y, vas-y. Hey, ils sont tendax les ennemis hein. Wakako n'a qu'à bien se tenir.
Non mais là c'est compliqué hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix là hein. Oh, je suis tellement mort. Mais je leur fais aucun dégât. Il avait pas fini de recharger. Non mais le temps de rechargement c'est insupportable hein. J'ai quand même l'impression d'être un tout petit peu understuff au niveau des de l'armure. Hein. Vu comment je prends cher. Sérieux? Je vais voir. Il va où comme ça, ce beau flic? Ralentis ton imagination. Bah, pourquoi tu crois que je suis venu ici? Pour pas avoir à l'utiliser. Pause. Oui, je vois ça. Quoi? Ici? Bon, t'es ma sœur de rue? Non, non, non. Ça, ça coûte plus cher. Est-ce que je peux vous aider? Non, non, mais non, non. À l'aide. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser? Mais c'est de la Camelot? Contenu bonus incompatible avec votre logiciel. Forcément. Ah, après, ça se trouve, si on n'avait pas activé la censure, on aurait pu. Ouais, je pense pas, quand même. Ça serait vraiment, vraiment hardcore, pour le coup. J'ai limite envie de les acheter. Ça se trouve, il y a une collection à faire. Bon, on verra quand on aura des sous. J'ai un truc qui va te faire bander. Ouais, ouais, ouais. Plus tard. Tiens, tiens, mais qui vois-je ? En personne dans mon humble petit salon. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Les sous. Je parie que personne connaît Westbrook aussi bien que toi. Mais Marie connaissait Westbrook, c'est vrai. Ils étaient tous au placé chez les Tiger Claws. Ils régnaient sur Japantown. Ils faisaient quoi? Ce qui rapporte le plus d'édits et de pouvoir. Ils vendaient du sexe et de la tech au marché noir. J'essaie de bien me placer sur le fauteuil, là, pour avoir mal au dos. Désolé, mais c'est plus fort que moi. T'as eu combien de maris, au juste? 5, tous morts prématurément. Une vraie tragédie familiale. T'as pas peur que la tragédie te frappe aussi? C'est elle, je la tragédie. Je peux pas me permettre de mourir, des fils, j'en ai 9. C'est elle, la tragédie, je pense. On a encore une affaire à régler.
Tu te souviens de Sandra Dorset? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Et donc? Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt généreux. Va voir un charcutoc. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. C'est une spécialité des Tiger Claws. Sérieusement? Ok. Bah let's go. Ah oui, c'est à 2 km. Putain, genre, elle m'offre un implant. Alors, moi, je me demande, par contre, s'il y a des qualités d'implant. Ah merde, on avait ça ici. C'est où? C'est en dessous, apparemment. Je suis sûr qu'on aurait pu jump. Hein. Vous savez quoi? On va jump. Parce que la justice m'appelle. Là, je peux pas y aller. Ah, dommage. Attends, genre mon arme, elle a pas upgrade là. C'est vrai que du coup avec le silencieux on a moins de dégâts. Je vais arrêter de tortiller du cul pour chier droit pour ce genre de phase là. D'accord. Un CE9E9. Zanagi. Ah non mais en fait je reçois 1 milliard de messages par rapport à des bagnoles que je pourrais acheter. Attendez, on va regarder ça. Mais non mais je l'appelle. A plus tard. Salut V. Et oublie pas, les médias nous mentent. Ouais. C'est vrai ça. Donc ça voilà, voiture à vendre. D'accord. Coach Fred. Watson a rouvert, t'es un homme libre. Mais oublie pas les combats, ok? Ouais. Et Wakako, qu'est-ce qu'elle me dit? Ok, voiture à vendre. Donc une moto et une petite voiture pourrie.
Bon, ça, on avait vu. Ça, on avait vu. Ok. Écoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique ? Je suis pas spécialiste, mais c'est pas mal. Il est agréable à écouter, en tout cas. Tu sais pourquoi ? Sa technique est pas top, mais il y met ses tripes, c'est ça qui compte. On sent qu'il y a un truc qui le fait souffrir, ça ressort dans sa zik. Il a aucune présence scénique, un doigté déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps, mais... Ah, il est pas mal. Vache, les compliments, c'est pas ton fort. T'as commencé pareil ? En zikos de rue avec des rêves de grandeur ? Tu rigoles. J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Être une star, ça peut servir. Pour ouvrir les yeux des gens, faut déjà qu'ils sachent que t'existes. Être une star, ça se paye. Si tes chansons crachent sur les gros labels corpo, qui voudra te signer ? Mais si tu renies tes idéaux, il n'y aura plus assez d'édits dans le monde pour les racheter. D'accord, princesse. Au moins, t'as joué en public. Je l'ai vu dans tes souvenirs. Ouais. On jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On a attiré du public dès nos débuts. Il y en a même qui ont enregistré nos concerts sans savoir qui on était. Donc... Je pourrais mettre la main sur des vieux bootlegs de samouraï. C'est ça ? Je vais les trouver, et puis brailler comme un fanboy chaque fois que t'ouvriras la bouche. Ça te va ? Essaye un peu, pour voir. Mais Sandek, tu crois que ces enregistrements existent toujours ? Après toutes ces années ? Le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. En vrai, je joue bien. Hein. Bon, les collectibles. Johnny, j'ai l'impression que ton super endroit est devenu un resto miteux. Encore une putain de victoire du consumérisme aveugle. Un point pour l'équipe adverse, hein ? C'est pour ça qu'il faut pas ramener les guerriers morts au combat. Tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils se sont battus pour rien. Salut. Le Rainbow Cadenza, ça vous dit quelque chose ? Et allez, encore un. Vous êtes pas un peu jeune pour ça ? Pardon ? Tous les jours, il y a des vieux en blouson de cuir qui se pointent pour demander où est passé leur club de has-been. Et moi, je leur répète comme un disque rayé que les corpons l'ont racheté il y a une vingtaine d'années. Je devrais mettre une pancarte. Vous auriez pas entendu parler de bootleg de l'époque du Rainbow Cadenza ? Genre, je sais pas, du samouraï ? Samouraï. Ah ! Cette horrible tête rouge sur fond noir, là ? Ouais, même moi, je connais. Il y a un vieux qui porte leur t-shirt. Il vient ici, de temps en temps, pour parler du passé avec des potes psychophanes. Vous sauriez pas où je pourrais le trouver, par hasard ? Cherchez-le dans les années 20, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il est tout le temps au marché d'à côté. Qu'est-ce qu'il vend ? Bah, à votre avis, pas des fraises à la crème. Il vend des vieux enregistrements moisis de vieux groupes indés moisis. Dont personne n'a jamais entendu parler. Nova, merci. Bon. Salut, je cherche la bonne musique. Vous avez de la laser pop ? Un truc des Huskraks ? Je vends pas de scope, moi. Soit vous voulez de la vraie musique, soit de la merde fluo. Relax, Choum. C'était une blague.
Laser pop. Ah là là, j'ai pas ce genre de boost dans mes bacs, moi. Ouais, qu'on peut trouver de la bonne zik ici. Eh ben, ça dépend de ce que vous entendez par bonne. J'ai du cartésien dualiste, du Eurodyne, du Tented Overlord. Et surtout du samouraï. Du samouraï. Ha ! Mais c'est quoi cette question ? Never fade away. Dancing with my axe. Chipping in. J'ai absolument tout. Tout. Silver End était le seul vrai messie du rock. Je distribuerais leurs albums gratos si je pouvais. Mais faut bien manger. Wow, je suis tombé sur le plus gros fan de Silver End, je vois. Et fier de l'être. Les rockers bidons d'aujourd'hui font pitié. Silver End avait un truc en plus, dont les autres peuvent que rêver. Une main en argent ? Le feu, gamin. Le feu sacré. Il a ébranlé les fondations du monde corpo. Et il est mort pour ses idéaux. Et son léger côté terroriste, ça vous gêne pas ? Blaze way down the rebel pass. Je cherche du vrai collector. Genre... des bootlegs, des premiers concerts de samouraï. Des premiers... Vous réalisez ce que vous demandez ? Vous dites ça comme si... comme si c'était rien. Je sais pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Je les donne pas à n'importe quel pommard. C'est pas du baratin, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Silver End. Allez-y, épatez-moi. Je sais ce qu'il a dit à Kerry la dernière fois qu'ils se sont vus. Ce groupe est naze, c'est ni ton public, ni ton son, tu devrais tracer ta propre route. Mais bien sûr, moi aussi je peux leur inventer des conversations privées, sans témoins. Je suis souvent venu ici du temps du Rainbow Cadenza. Un bootleg, ça ferait vraiment un super souvenir du bon vieux temps. C'est ça. Vous êtes bien trop jeune pour avoir vu Samouraï en live. Vous étiez même pas encore né à l'époque. Eh, faut pas se fier aux apparences. Qui vous dit que cette belle gueule est pas un implant ? D'accord. Prouvez-le. Comment a fini le troisième concert de Samouraï ? Professeur Johnny, Ed Conchum. Il me faut des antisèches sur l'histoire de Samouraï. Ah ouais, notre troisième concert, je m'en souviens. J'ai foutu le feu à ma gratte. Je l'ai défoncé sur la scène. Oh, le public est devenu dingue. Alors, j'ai pas toute la journée. Facile. Johnny a mis le feu à sa gratte et l'a pété sur la scène. Non, raté. Qui s'amuserait à défoncer son matos à ses débuts ? Faut des édits pour pouvoir en racheter. Johnny, s'il te plaît. Tu peux arrêter de me compliquer la vie. En plus, j'en ai plus pour longtemps. Et comment je suis censé faire de l'esprit avec une question aussi con ? Autant shooter dans un chiot aveugle. Eh, vous buguez souvent comme ça ? Notre troisième concert, c'était au Cadenza. Il y a eu un feu et des pommards bourrés ont voulu l'éteindre avec de la binouze. La coupe afro de Denis a cramé. Elle a porté une perruque pendant des semaines parce qu'elle a jamais voulu de cybercheveux. Que je réfléchisse. Il y a eu un incendie et des pommards ont essayé de l'éteindre avec de la bière. J'avais presque oublié. Il paraît que c'est Johnny qui l'avait allumé en jetant une clope pas éteinte. Connerie. C'était la clope de Kerry. Mais dès qu'il y a une couille, c'est la faute à Johnny. Je peux toujours pas croire que vous y étiez. Mais on s'en fout. Faut être un vrai fan pour savoir ça. Et puis bon, faut éduquer la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Allez-y, faites-vous plaisir. Oh! Niveau 17. Je suis niveau 15. Allez, attends. Non, parce qu'il y a le stuff samouraï dans le jeu. Oh, parce que là, c'est juste un stuff épique. Pantalon cargo samouraï.
J'ai presque envie. Ah non mais quoi, 8000? J'avais pas vu le prix. Espèce de vieux fumier. Espèce de vieux fumier. Putain, 870. En fait, on pourrait limite, je pense, dans sa boutique, avoir quasiment le même, même look. Putain, mais cette veste, elle a l'air incroyable. Non, mais mec, c'est trop cher. On reviendra au pire. Merci, c'est sympa. Prenez-le. Prêchez la bonne parole de Silverhand. Mort au corpo. Tu sais, on dit que le temps est le meilleur des profs. Je l'ai cru pendant longtemps. Mais regarde ce type. Il a au moins 60 balais et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer? J'ai réduit la tour Arasaka en cendres. Mais elle est toujours là, comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'ils changent et qu'ils changent le monde. Ça fait 60 ans. Il y a forcément eu du changement. Ouais, au niveau des apparences. De nouvelles interfaces, de nouveaux siroscopes avec des goûts fruités, originaux. Un nouveau visage pour Arasaka. Nouvel emballage, même merde. On le voit peut-être pas, mais... il y a des choses qui changent quand même. Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de bidoche criblé d'un plan d'occasion. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un document derrière lui, là. J'aimerais bien y aller. C'est possible. Je peux pas y aller? Attendez, là. Bon, ça c'est fait. Bordel. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a un milliard de quêtes à faire. Ah! J'ai 45 000. Ah oui, on avait l'implant gratos à aller chercher. Mais attends, quoi? Non. Non. C'est où? D'accord, c'est là-haut. Ok. Ok, ok, c'est là-haut. Parce qu'on a ça... Après, je me dis qu'on peut aller jusqu'à là-bas. Ça, c'est l'autre voiture, il me semble. Hein. En vrai, elle avait l'air pas mal. Je me dis que... il y a peut-être moyen. Ah oui, il y a une voiture de taré aussi à trouver. Genre une Batmobile. Je viens de m'en rappeler. Un des seuls spoils que j'ai pris du jeu. Mais il y a longtemps. Donc du coup, je sais pas. Je crois que c'est dans le désert ou je sais pas où là. Il y a un tunnel mystique à trouver et elle est dedans. Ouais. Parce qu'attendez, parce qu'a priori la justice m'appelait là, mais
Bah oui, mais alors là, comment trouver par où passer en regardant ça? Ok, si, c'est bon. Trouver. Ouais, je me fous le feu vraiment. Un génie. Un génie incompris. Et si je piquais cette caisse? Ah mais il faut des stats quand même pour voler des bagnoles. Ok. Effectivement, ça avance un peu plus. Ah oui, il y a la reprise et tout, ah ouais. Ça change tout. Et elle est bien sympa cette voiture. Je retiens un peu le Mizutani. Elle est vraiment cool. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai eu un feeling. Je me suis dit vas-y, ils sont trois côte à côte. C. Oh merde, c'est quand? C'est tout à l'heure, on a looté un document là, décrypté. Con de moi.
Je suis obligé de mettre là-dedans, hein, vraiment. Et la constitution qu'à la base je voulais aussi faire avancer, je la fais pas avancer. Et tant pis, l'Intel à un moment donné, même si c'est au max, avec les niveaux de piratage et tout, tant pis. Hein. Faut vraiment que j'avance dans le reste. Hein. Oui, le journal. Et moi, je voulais voir les éclats. Je crois que c'était tout en bas, c'est ça? J'en ai beaucoup trop. Visiblement, c'est pas ça. Et merde, il me semblait que j'avais eu un éclat à décrypter. Ou alors c'est dans le journal? Non, hein? Ah, bordel! Base de données? Non. Je suis quasiment sûr à un moment qu'on a eu un... On a looté un truc à un moment donné, juste après le jeu, il nous a dit ouais... T'as d'XP supplémentaire pour décrypter je sais pas quoi. Ah après c'était peut-être via une quête et vu qu'on a validé la quête entre temps, c'est... Y'a plus. C'est ça. Je sais pas, j'ouvre tout. Je me dis on sait jamais. Ou alors c'est quelque chose que j'aurais dû looter que je n'ai pas looté. Peut-être ça aussi. Il y a tellement de lore qu'on pourrait lire pour comprendre encore plus le jeu. Bon, je sais pas. No, c'est... Non mais à la base je voulais aller là-bas moi. On a trop de trucs à faire. Allez. Ici. Déjà, il y a des gens morts. Attends, mais je suis venu là tout à l'heure. J'ai défoncé des mecs. Bon, bah j'ai dépouillé des mecs, c'est bien, mais l'ordi peut-être.
Non. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah oui, non mais... C'est tout ? D'accord. Putain, je m'attendais à une mission de ouf. Eh bien, on peut aller voir cette voiture. Mais bon, ouais. Mais sous quoi. Bon, franchement, garde les sous. Les sons sont vraiment cool, hein. J'aime bien. Sûr, on pourrait changer de radio et mettre des sons complètement différents, hein, mais moi qui écoute de tout. Dommage. Je pense qu'il doit y avoir un nombre limité de crimes par zone. Cette zone-là, par exemple, je m'y suis pas mal promené et là, je vois que... Quoi ? Et je vois que pour le moment, il n'y a pas de crime signalé. Et l'autre il est censé me filer un truc gratuit là, c'est cool. Ouais. C'est pété mon gars. Ouais mais c'est pas mon pote hein. Comment vont les affaires Cassius? J'ai pas à me plaindre. La Maxtac a rasé une clinique clandestine il y a pas longtemps. Les clients se rabattent sur moi et je peux faire monter les prix. Coïncidence? À toi de voir. Alors, y'a quoi de beau? Je te laisse choisir. Pas de pièces de rechange, d'accord. Ouais. Alors, l'autre, c'est quoi qu'elle me proposait? Un système nerveux? Ah mais je l'ai déjà? Augmente la durée de Sandevistan et de Kerenzikov de 1 seconde. C'est quoi? Vous permet de viser et tirer en glissant ou en esquivant. Réduit le temps de 50% pendant 1,5 seconde.
Quand vous bloquez, visez ou attaquez tout en glissant ou en esquivant. Ah, c'est ça. Le Kerenzikov de ses morts. Oh là là, ok. Sauf que ça, je l'ai déjà et c'est en rare. Mais ça se trouve, on pourra en avoir des mieux encore. Je pense qu'en vrai, je peux te vendre ça, déjà. Voilà. Même si effectivement, j'aurais pu le garder pour me l'équiper, enfin bref. Dix de constitution. Ah ouais, d'accord, augmente le temps de piratage du protocole de piratage de 100%. Mais le truc, c'est qu'en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de me dénaturer complètement et d'être full cyber? Je pense pas, hein. Alors ça, c'est cool, augmente la régène de santé de 1 point par seconde hors combat. Mais est-ce que on pourrait pas avoir mieux? Ça aussi, hein, c'est pas mal, hein. Système immunitaire. Après avoir subi des dégâts, 2% de chance de libérer un puissant choc électrique infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Armure sous-cutanée augmente l'armure de 50. Ah ouais. Augmente la charge limite de 20%. Ah, et le fameux bras de gorille. Ah, ça me donne aussi un bonus de 2 au test d'attribut constitution. Donc ça veut dire que contextuellement, quand on a besoin de la constitution, bah, admettons pour ouvrir une porte, bah, les bras de gorille me font un plus 2. Les fameuses lames mantis ou les monocables. Ouais, monocable, ça me parle pas. Lance-projectile. Ouais, c'est vrai que du coup, le bras de gorille, c'est intéressant. Bon, moi, la question, c'est quoi qu'aime filer l'autre, là? Restaure instantanément 10% de santé après avoir vaincu un ennemi. Ok. Bon, c'est légendaire, hein. Ça coûte 28 000. Il faut 18 en réflexe. Ok. Bon, ça me saoule parce que moi, tout ce que je veux, c'est choper le truc gratuit, là. Ah, mais je peux acheter une autre cyberconsole. Dix mille balles.
Par contre, ça me rend ouf, hein. C'est quoi le... Putain, c'est quoi qu'elle était censée me donner, l'autre, là? Ça va me faire péter un plomb. C'était un truc de liaison intelligente. Donc c'est pas là-dedans. Ah, ou c'est là? Permet d'intégrer le module de ciblage intelligent à des armes intelligentes. Connecte directement l'implant optique de l'utilisateur. Ouais, d'accord. Mais attends, tu te fous de ma gueule? L'autre, elle me disait que c'était gratuit. Attends. Je... Récupérez vos... D'accord. En fait, elle m'a offert un tatouage. C'est sérieux, ça? C'est sérieux? Elle m'a juste offert un tatouage? Mais je vais péter un câble. Après, j'avoue que acheter les 50 d'armure là pour 1600, ouais. Je suis sûr qu'on pourra avoir mieux. Je suis sûr qu'on pourra avoir bien mieux. Et après, ouais, c'était ça, ouais, qui était très intéressant. 9 de mémoire vive de base. Parce que là, j'ai 2 mémoires vives de base. Mais bon, 10 000. Ouais, non, hein. Non. Bon bah super. Voilà, on a perdu à peu près un quart d'heure pour un tatouage. Hein. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Bon, la justice m'appelle et je fais un petit tri d'inventaire et après je pense qu'on va s'arrêter là. Откуда дровишки? Если хороший товар, я еще закажу. Mais non.
qu'on appelle communément faire de la merde. De toute façon, je peux m'en créer des implants aussi. Hein. Oula, t'avais du stuff, toi. Mission accomplie. Hein. La mission, c'était de massacrer tout le monde. Parfait. La justice, hein. Très important. Là, ça, en fait, là, c'est que les armes contendantes, donc je m'en fous un peu. Pas mal, ça. Putain, on pourrait encore booster. Vas-y, je booste. Ça, mine de rien, le katana, c'est surpété. Hein. Bon, et maintenant ? Où va-t-on ? Parce que oui, je dis oui, on va s'arrêter là, mais... on a tellement de trucs à faire. Ça fait capoter, quand même. Ah, remarque, pas tant que ça. Ah, hein. Oh, si. Oh, oh, oh. À l'aide. Juste à l'aide, en fait. Je peux pas grimper par là. Nickel. Bon, je m'occupe de ça. Et bon, prochain épisode, bon, je sais pas trop. Ce serait quand même bien de, oui, de faire un tout petit peu de principal. Et on a une tonne. Une tonne de quêtes et de contrats. J'ai envie de tout faire. Hein. C'est le problème. Mais ça devrait pas être un problème. Non mais j'avoue que
La carte là, à 10 000 balles, j'aurais peut-être dû la prendre. J'avoue. Je sais pas où je vais. Hein. Pensez qu'il y a une limite de mon saut pour tomber sur les ennemis. Je vais me péter la gueule. Je l'avais même pas vu. En fait, je l'ai vu au dernier moment. Oh le con. Putain, mais il y en avait pas un autre? Par contre, des fois, ils me font des phases de détection, c'est... Je sais pas qu'est-ce que j'entends, mais ok. Ce qui s'est passé. Ah bonjour. La subtilité. Bon attends, parce qu'il y a le robot là. Voilà. Toi t'avais du stuff. Va falloir que je regarde un peu plus en détail mes plans de fabrication et Il m'a jamais vu. Composant d'objets légendaires. Oh là là, oui. Ah oui, mais ça c'est la paire que j'avais acheté là pour mieux looter sur les robots de Seymour.
D'accord. Je suis trop lourd. J'ai pas un meilleur katana ? Ah, si j'ai un meilleur katana, évidemment que j'ai un meilleur katana. C'est dommage, il avait vraiment stylé à utiliser ce revolver. C'est n'importe quoi là. À l'aide. Est-ce que je vais m'en sortir avec un petit peu de style dans cette histoire? Je pense pas. Oh putain. Attends, mais comment ça se fait? Ah oui, augmente l'armure de 14, d'accord. Bah vas-y hein. On bourre l'armure hein. Ok. C'est mieux. Mais en plus l'objectif c'est sécuriser la zone, donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je tue tout le monde. Il est là-haut. Ouais, d'accord. Merci. Voilà. C'est bon ? Bon, il faut aller voir Barry. Notre pote Barry, bon, on va faire ça prochain épisode. Hein. Je kiffe le gameplay avec le katana. C'est très simple, hein. Mais en plus, je joue comme un bourrin. Hein, c'est pas comme si je faisais de vrais efforts. Mais non, franchement, je kiffe bien. Ok. Bon et du coup on est où là? Juste pour se faire une idée. Très bien. Bon, on ira voir Barry la prochaine fois. Peut-être qu'on ira faire ça parce que du coup bah, dans la zone c'est tout ce qu'il nous reste à faire. On a cette petite quête secondaire aussi à faire. Et bah, il faudra aller voir Takemura quand même. Takemura. Parce qu'en vrai Takemura ça a l'air d'être un bon gars. Et j'espère en vrai que ça va être un pote. Parce que si ça va être notre ennemi, ça me fait chier.
C'est le genre de personnage que j'aime bien, ça. Droit dans ses bottes, loyal. J'aime bien. Mais bref. Du coup... Bisous YouTube. Des bisous. Et à très vite pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien.